Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation et construit avec le groupe d'utilisateurs national de l'initiative de la carte européenne, véritable activateur d'Erasmus+ digital pour l'enseignement supérieur. Ce webinaire sera concret, basé sur les résultats des travaux de ce groupe et vous l'avez vu, dans les remerciements, ce groupe est très inclusif. Il y a toutes sortes d'établissements de typologies différentes. Il y a des opérateurs, il y a des réseaux. Et ce groupe est évidemment là pour embarquer l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur nationaux dans un projet tout à fait inédit. Vous êtes plus de 1000 à vous être inscrits, à la fois venant des services de relations internationales et des services d'information et des systèmes d'information, ce qui montre évidemment une certaine détermination de notre pays à s'engager dans ce nouvel Erasmus+ digital des établissements de l'enseignement supérieur. C'est la quatrième séquence organisée par l'Agence nationale après un premier grand séminaire qui avait eu lieu à la Cité universitaire à Paris en novembre 2019. Cette séquence, évidemment, s'inscrit en complément de la série des webinaires portés par l'Union européenne. Nous agissons en cohérence totale avec le calendrier politique européen, l'adoption du règlement Erasmus+, par le Parlement européen vient de se faire le 20 mai dernier et l'Erasmus digital est désormais bien encadré. Il est encadré à la fois dans le règlement, au niveau bien sûr des considérants, mais aussi d'un article. Au niveau national, nous avons publié conjointement une circulaire interministérielle le 15 mai 2021. Au niveau même de l'appel à proposition 2021, et du guide du programme, cet Erasmus+ est évidemment complètement imbriqué. Au niveau des établissements, l'engagement des établissements s'est fait au travers de la charte Erasmus 2021-2027 et nous avons rappelé à chacun des responsables légaux des établissements le 18 mai les obligations que cela implique. Les grandes lignes de cet Erasmus+ digital pour les établissements de l'enseignement supérieur, évidemment, il y a trois objectifs, et trois objectifs parfaitement affichés. Le premier, c'est adapter le programme Erasmus+ aux valeurs et aux usages des nouvelles générations de bénéficiaires. C'est évidemment soutenir le développement des services, notamment sociaux, pour les étudiants. C'est aussi tirer bénéfice des nouvelles technologies pour fluidifier et sécuriser les aspects les plus chronophages de cette gestion de la mobilité, quelque chose de complexe, ce que connaissent bien les RI des établissements. Et c'est évidemment alléger le travail des coordinateurs Erasmus+, pour leur donner du temps pour accompagner les étudiants. C'est enfin offrir un cadre technique pour un échange sécurisé et conforme où les données seront protégées et où la mobilité des étudiants entre les établissements sera facilitée. Ce développement, évidemment, se fait sous l'égide de l'Union européenne. Et c'est un ensemble d'outils. Une application mobile Erasmus+, un identifiant unique européen pour les étudiants, l'ESI, un réseau sécurité d'échange de données pour la mobilité Erasmus+, entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe. C'est ce que vous connaissez sous le nom d'Erasmus Without Paper. C'est enfin des services en ligne pour des processus de gestion administrative Erasmus+, progressivement dématérialisés. Et dernier point important, c'est évidemment la reconnaissance technique de la carte étudiante délivrée par les établissements qui impliquera le développement de services, notamment sociaux pour les étudiants. Le déploiement d'Erasmus+ digital est progressif. Il s'étalera jusqu'en 2025, mais le lancement, c'est juin 2021.
Pour accompagner ces porteurs de projets, l'agence Erasmus+ a mis en place en 2020 et 2021 un plan d'action spécifique qui rentre désormais dans une stratégie nationale numérique définie par l'agence. L'accompagnement des porteurs passe notamment par l'initiation de ce groupe d'utilisateurs national Erasmus+ Digital. Pendant 6 mois, ce groupe a travaillé pour produire un ensemble de fiches pratiques. Elles faciliteront le déploiement d'Erasmus+ Digital dans les établissements. C'est un kit utilisateur qui aujourd'hui vous est présenté dans ce webinaire. Je remercie à nouveau les contributeurs du groupe utilisateurs, nombreux, plus de 90 personnes impliquées dans cet exercice, une 50aine d'établissements, d'opérateurs et de réseaux, et bien entendu notre référente numérique à l'agence Erasmus+, Madame Marie-Pierre Chalimbaud, et les équipes de l'agence qui, depuis plusieurs semaines, travaillent à la préparation de ce webinaire. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Nous devrions être plus d'un millier ce matin. Et bien évidemment, posez vos questions, nous y apporterons des réponses. Et ce séminaire est concret, il doit vous apporter des solutions. Bons travaux. Établissement d'enseignement supérieur, vous souhaitez alléger la gestion de la mobilité étudiante ? Erasmus+ Digital facilite vos procédures. C'est simple, des documents numérisés pour des échanges faciles en toute sécurité. C'est pratique, une coopération fluide et sécurisée entre les établissements pour une véritable dimension internationale. Au cœur d'Erasmus+ Digital, un identifiant unique européen, l'ESI, European Student Identifier, une carte étudiante européenne, reconnue partout en Europe, un réseau, Erasmus Without Paper, point d'entrée pour les établissements. Une application mobile, point d'accès pour les étudiants en mobilité. Pour vous aider à leur prise en main, Erasmus+ a pensé un guide de démarrage. Des fiches pratiques pour vous accompagner pas à pas dans l'utilisation des fonctionnalités. Alors entrez dans la communauté. Et ensemble, construisons Erasmus+ à l'ère du digital. Bonjour à toutes et tous. Alors, on vient de le voir dans cette petite vidéo. L'une des briques d'Erasmus+ Digital, c'est l'identifiant étudiant européen, ou ESI, si l'on prend son acronyme anglais. Plus qu'une brique, c'est en fait une clé de voûte, puisque l'ESI permet d'accéder aux différents services digitalisés d'Erasmus, qu'il s'agisse pour l'établissement d'échanger des données avec ses partenaires en Europe, ou pour l'étudiant d'utiliser l'appli mobile Erasmus+, ou encore le contrat pédagogique en ligne, le fameux OLA. Pour la France, l'ESI se base sur l'INE, qui est donc l'identifiant national étudiant. Et tous les établissements qui participent à Erasmus+, ne peuvent pas déployer l'ESI à l'heure actuelle, et nous sommes en lien avec les ministères concernés pour mettre au point des solutions pour leur permettre d'accéder pleinement aux services d'Erasmus+ Digital. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter Hervé Bourgaud de Renater qui nous présente les fondamentaux de l'ESI. Merci Sébastien pour cette introduction. Bonjour à tous. Je vais débuter ce webinaire par effectivement un focus sur l'identifiant étudiant européen qu'on appelle en version courte ESI pour European Student Identifier dans la dénomination anglaise. Ma présentation sera relativement brève. Voilà, il s'agit là de bien fixer les idées. On va se concentrer uniquement sur les points clés liés à l'ESI, à savoir à quoi il sert et vraiment les 3 points clés à retenir pour les établissements. Donc, bien sûr, si à l'issue vous souhaitez plus de détails, vous aurez effectivement tout loisir de consulter la documentation disponible sur le sujet, qui fait notamment partie intégrante du kit utilisateur qui vous sera présenté tout à l'heure au cours de ce webinaire. Cela étant dit, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par le pourquoi. Alors, le pourquoi, à quoi il sert ce nouvel identifiant ? Donc,
La réponse courte, comme l'a dit Sébastien, c'est la clé de voûte de la digitalisation du process de mobilité Erasmus. Donc, si je devais faire une analogie, je dirais que c'est comme les fondations d'une maison. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais sur lui que va vraiment reposer toute la structure d'ensemble. Pour la réponse plus longue, on va regarder effectivement plus en détail le processus de mobilité Erasmus que vous voyez ici à travers ce petit schéma. Voilà, pour comprendre vraiment la problématique, le rôle de ce nouvel identifiant. Alors, le processus de mobilité Erasmus, c'est quoi? C'est déjà plusieurs services de nature différente. Donc, il y a effectivement, vous le voyez un peu sur la partie gauche en bas, le service qu'on appelle Erasmus Without Paper, qui est le réseau d'échange de données inter-établissement sur voilà, les étudiants en mobilité. Donc, ça, c'est principalement utilisé par les personnes en charge des relations internationales dans les établissements. Voilà, et qui permet l'échange de données inter-établissements sur les étudiants en mobilité. En haut, vous avez des services de mobilité en ligne, donc des services web qui vont être là à destination des étudiants. Donc, les étudiants vont s'authentifier sur ces services et vont voilà, accéder à ces services pour suivre l'état de leur demande de mobilité ou effectuer certaines démarches requises, notamment la signature de leur contrat pédagogique. Donc, différents services. Et ce qui est important, c'est que ces différents services, ils interviennent à différentes étapes en fait, du processus de mobilité. Donc, en amont, on a effectivement donc, ce qui va être, on va avoir les données, enfin les échanges de données inter-établissements via Erasmus ou Without Paper, donc initiés par les RI. Et ultérieurement, effectivement, on a les étudiants qui vont accéder donc, aux services en ligne voilà, pour effectuer leur démarche. Donc, temporalité différente. Et troisième point, ces données, ben, ils ont besoin d'échanger des informations entre eux, puisque les données de mobilité vont être injectées en quelque sorte par le canal Erasmus Without Paper. Et ensuite, bah, les services qu'on offre aux étudiants, je prends par exemple l'application Ola, bah, elle va par exemple se baser sur une partie de ces données pour l'afficher effectivement derrière aux étudiants. Donc, la problématique, c'est quoi? C'est vraiment celle-ci, c'est comment différents services de mobilité qui interviennent en fait à différents stades, à différentes étapes du processus, comment on s'assure que ces services reconnaissent de manière univoque un étudiant donné comme le même étudiant. Et c'est vraiment ce à quoi va répondre l'ESI, qui est une sorte de clé qui va permettre d'identifier l'étudiant. Ça va permettre de garantir que l'étudiant il est bien identifié de manière unique par l'ensemble des services, premier point. Et deuxième point, ça va effectivement favoriser l'échange de données entre l'ensemble des services de mobilité. Voilà pour le pourquoi, pour la problématique. On va maintenant passer aux trois enjeux pour les établissements, ou dit autrement, les chantiers techniques ou les travaux techniques à mener pour les établissements. Donc, chantier numéro un, générer l'ESI. Générer l'ESI, ça veut dire quoi? Ça veut dire le générer en respectant le format qui est spécifié pour cet identifiant. Donc, vous avez un petit visuel à droite sur le format actuel de cet identifiant. Je ne rentre pas dans le détail ici, ce n'est pas l'objet. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a un format et que donc, effectivement, il faut le générer au bon format. Et effectivement, il faut ensuite le déployer pour l'établissement dans son ESI local. Ça, ça veut dire le rendre disponible pour les briques techniques qui vont l'utiliser. Donc, concrètement, ici, on en a deux. D'un côté, Erasmus Without Paper. De l'autre, la Fédération d'identité. Donc, pour Erasmus Without Paper, la brique technique qui va être concernée, c'est l'outil de gestion de mobilité hein, qui permet effectivement pour un établissement de s'interfacer avec le réseau Erasmus Without Paper. Donc, selon les établissements, hein, ça pourrait être un outil tiers, type
Mouvon Mobility Online. J'ai mis des exemples à droite avec les petites icônes. Ça pourrait être le dashboard Erasmus fourni par la Commission européenne ou ça pourrait être un outil maison. Quoi qu'il en soit, quel que soit le type d'outil, là, le chantier technique à mener, c'est effectivement ajouter le support de l'ESI dans cet outil pour que l'ESI puisse être transmis dans les échanges de données inter-établissements via Erasmus Without Paper. Enjeu numéro 3, la fédération d'identité. La fédération d'identité, ça impose une brique technique qu'on appelle un fournisseur d'identité ou en anglais Identity Provider ou IDP en dénomination courte. Donc là, le chantier technique pour les établissements, concrètement, ça va être de déployer cette brique technique si l'établissement n'en dispose pas déjà d'une. Ça va être effectivement, une fois cette brique technique déployée, de configurer en fait cette brique technique pour transmettre l'ESI via ce qu'on appelle la fédération d'identité, qui s'appelle ici EduGen au niveau international. Et donc, l'ESI, via la fédération, va être transmis au service lorsque l'étudiant va accéder à ses services et va s'authentifier sur ses services. Voilà pour les trois points clés à retenir. Je souhaitais terminer cette présentation par quelques observations qu'on a pu faire à Renater depuis le dernier webinaire de janvier. Donc, on a reçu un certain nombre effectivement de sollicitations et tout n'était pas de notre ressort. Donc effectivement, il me paraît intéressant aujourd'hui de clarifier en fait le rôle de Renater et le périmètre d'intervention de Renater dans cet écosystème Erasmus relativement dense. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc le rôle de Renater. Alors Renater, on est avant tout un opérateur de fédération nationale. Donc notre rôle, notre premier rôle avant tout, c'est de fournir du support aux établissements sur les questions, sur les aspects liés à la fédération d'identité. Et effectivement, de par notre implication sur les travaux liés à l'ESI, on répond aussi, on peut fournir de l'assistance sur tout ce qui va concerner la spécification et le format en fait, de cet identifiant. Les autres sujets ne seront pas forcément de notre ressort. Donc on n'a pas forcément réponse à tout, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Quelques exemples, le calendrier Erasmus, par exemple, n'est pas du ressort de Renater. Voilà votre interlocuteur sur les principaux jalons, ce sera l'agence Erasmus. Erasmus Without Paper n'est pas non plus du ressort de Renater, c'est du ressort de la DSI de votre établissement. Voire de votre provider si c'est votre gestion de mobilité fournie par un provider tiers. Ça me fait la transition avec le deuxième point également, la génération de l'ESI, elle est aussi du ressort de chaque établissement. Le déploiement de l'ESI dans son système d'information locale, il n'y a pas une façon de faire. Ça dépend de chaque établissement, des procédures existantes et du SI en place du côté de l'établissement. Donc c'est vraiment à du ressort de chaque établissement de le déployer en fonction de son existence. Évidemment, bien comme je l'ai dit dans la slide précédente, bien faire attention au format qui est spécifié pour cet identifiant. Vous pouvez vous appuyer pour cela sur la documentation existante. Pour ce qui concerne l'adhésion à Renater, donc l'adhésion à Renater, c'est un prérequis pour bénéficier du service fédération d'identité. Donc service fédération d'identité uniquement. Donc, comme je l'ai dit, Erasmus Without Paper n'est pas du ressort de Renater. Donc l'adhésion à Renater, c'est vraiment pour la fédération d'identité. Donc fédération d'identité et EduGen. Pour les cas spécifiques, on a des établissements qui sont sous la tutelle d'un établissement qui est déjà membre, qui est déjà adhérent de Renater. Pour les cas spécifiques, je vous invite à contacter notre service relations établissement via les adresses de contact disponibles sur notre site. Mais dans tous les cas, contactez Renater. Une fois que l'adhésion est effectuée, effectivement, pour bénéficier du service fédération, donc là, je tenais aussi à repréciser,
Concrètement, c'est une démarche administrative d'activation du service. Et c'est ensuite une démarche technique, donc de déploiement d'une brique technique qu'on appelle fournisseur d'identité ou IDP, hein, que j'évoquais dans les slides précédents. Donc, par l'établissement lui-même, si l'établissement dispose des compétences et ressources nécessaires, en solution alternative, si l'établissement n'a pas forcément les compétences ni les ressources, Renater propose un service d'hébergement d'IDP, un service payant, qui peut être une solution alternative pour déployer rapidement cette brique technique. Je finirai enfin par vous parler de l'accès au service Online Learning Agreement via la Fédération Eduged. Donc, petit rétex par rapport au retour qu'on a eu des établissements. On a pu assister certains établissements qui ont fait les actions de configuration sur leur fournisseur d'identité. Donc, ce qu'on constate, hein, c'est que majoritairement, les difficultés rencontrées, c'est souvent qu'il manque un attribut obligatoire retourné par l'IDP au service. Donc là, pareil, hein, bien suivre le guide de configuration mis à disposition par Renater. Et pour finir sur une note positive, on a des établissements pour qui cela fonctionne d'ores et déjà. On a eu des retours, voilà, des établissements qui ont suivi nos guides de configuration et qui ont configuré leur IDP pour qui l'accès de leurs étudiants au service Online Learning Agreement via la fédération fonctionne. Donc voilà pour la touche positive pour conclure cette présentation. Et donc, sur cette note positive, s'achève ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je passe le relais à Marie-Pierre en plateau. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation. Merci aussi beaucoup à Renater qui accompagne les travaux du groupe utilisateur depuis le début. Nous passons maintenant à la séquence suivante d'Erasmus+ Digital pas à pas. Donc, lors du dernier webinaire, nous vous avions présenté le groupe utilisateur Erasmus+ Digital. Ce groupe dont vous avez pu voir d'ailleurs les principaux contributeurs en séquence d'ouverture ce matin. Ce groupe a été mis en place par l'Agence nationale Erasmus+, dans l'objectif de mutualiser les connaissances, les tests et les pratiques des établissements français autour de l'Erasmus Digital. Cela a permis d'aboutir à une série de fiches pratiques qui sont aujourd'hui mises à la disposition de toute la communauté ESR et qui prennent aussi en compte en fait toute la diversité de la communauté de l'enseignement supérieur français. Donc nous allons maintenant accueillir les représentants du groupe utilisateur Erasmus+ Digital qui ont travaillé sur une étape préalable mais incontournable dans le déploiement de l'Erasmus Digital. Cette étape, c'est la mobilisation interne, c'est-à-dire comment engager l'ensemble des services, l'ensemble des fonctions qui sont concernées par Erasmus+ Digital et comment ensemble établir un plan d'action partagé. Donc pour cela, je suis très heureuse de passer la parole à Charlène Massonnet de l'Université de Clermont-Auvergne. Merci Marie-Pierre. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Comme vient de le dire Marie-Pierre, en fait, cette présentation fait suite au premier webinaire qui a été organisé par l'agence au mois de janvier, et avec mon collègue Eric Lobstein de l'Université de Caen-Normandie, nous allons vous présenter le fruit des réflexions qui ont été menées au sein du groupe de travail Lobbying Interne. Slide suivante, s'il vous plaît. Dans un premier temps, nous avons souhaité recontextualiser les enjeux de notre groupe. D'abord, afin de nous approprier nous-mêmes le projet et ensuite pouvoir produire des livrables pertinents à l'attention des établissements d'enseignement supérieur chartés, il a fallu tout d'abord analyser la structuration de l'initiative dans son ensemble.
Puis ensuite, identifier chaque brique opérationnelle à mettre en œuvre et avec qui, et ce, afin de pouvoir mobiliser les acteurs, du projet en interne. Et une fois l'ensemble du projet décortiqué, nous avons réfléchi aux outils, aux supports qui nous permettraient de légitimer l'information, mais aussi de la diffuser le plus efficacement possible. Slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau des objectifs de notre groupe, l'objectif principal de nos travaux, c'est de pouvoir proposer une méthode et des outils d'aide au pilotage au travers de différents supports qui vous seront présentés dans quelques minutes. Ces outils ont pour but de clarifier l'initiative dans son ensemble. Et à ce titre, il nous a semblé important de rappeler, afin d'éviter une confusion au travers de dénominations relativement similaires, que le projet carte étudiante européenne, donc le support de la carte, est l'un des éléments constitutifs de l'initiative carte étudiante européenne dans son ensemble. De plus, nous avons bien conscience que le schéma universitaire n'est pas l'unique modèle de fonctionnement au niveau de l'enseignement supérieur français. Nous rappelons donc que les outils et le discours proposés seront bien entendu à adapter à l'organisation et à la taille de votre structure. Pour pouvoir clarifier l'initiative dans son ensemble, force a été de constater que le moyen finalement le plus simple était encore de la schématiser, et ce, de manière simplifiée, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout en identifiant clairement les interconnexions entre chaque brique opérationnelle de l'initiative, telles que l'identifiant unique européen, que Kervé nous a présenté du coup en première partie, mais aussi Erasmus ou That Paper, la fameuse carte étudiante européenne ou encore l'application Erasmus+. Vous l'aurez alors peut-être constaté par vous-même, au-delà du besoin de clarifier l'initiative dans son ensemble, il a fallu de manière quasiment vitale que l'on comprenne d'abord tous ces termes et ces sigles barbares qui font partie intégrante du projet et que l'on entend depuis des mois, voire des années pour certains. Et pour ce faire, nous avons donc décidé de formaliser un glossaire afin d'y voir plus clair sur tous ces termes utilisés et parfois méconnus. J'en profite d'ailleurs pour remercier et saluer notre collègue Dunia Yeles de Bordeaux Sciences Agro, qui a fourni un travail considérable pour alimenter et produire ce document. Je laisse désormais la parole à mon collègue Eric Plopstein de l'Université Caen Normandie pour la suite de la présentation. Oui, merci Charlène. Bonjour à tous. Donc je vais compléter la présentation que Charlène a commencé à vous faire. Pas besoin de vous rappeler donc cette distinction qu'il a fallu qu'on fasse entre l'aspect méthodologique, l'aspect analyse et compréhension du dispositif, pour ensuite être capable de proposer des outils associés. Donc on a établi, à partir de toute cette analyse, on a établi une feuille de route qu'aujourd'hui on voudrait vous suggérer, puisqu'évidemment, comme l'a rappelé Charlène, cette feuille de route et ses propositions doivent pouvoir s'adapter à chaque structure, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut, quelle que soit son organisation. Alors, dans un premier temps, mobiliser la hiérarchie, donc c'est la diapo suivante, c'est une action qui a été voulue vers les équipes de gouvernance, vers les directions d'établissement. Et donc, la directrice de l'Agence Campus France, Erasmus en parlait en introduction. Donc, c'est une note qui était une note d'intention qui a été faite et destinée à tous les établissements et qui explique le process et qui, notamment, a pour vocation de sensibiliser à la nécessité de s'y mettre. Et nous avons eu déjà des premiers retours d'utilisateurs, de collègues des relations internationales qui nous ont parlé de l'impact assez positif de cette note d'attention, puisque suite à sa diffusion, il y a déjà un certain nombre d'établissements qui ont pu se mettre en mode action pour justement se structurer et commencer à réfléchir à l'après et à l'organisation de ce dispositif.
Alors, dans un second temps, une fois qu'on avait fait cette démarche envers la hiérarchie des établissements, dans un second temps, sur la diapositive suivante, donc il a fallu identifier et associer les services ou les acteurs internes qui pourraient être concernés par cette démarche. Et donc là, vous trouverez dans le kit des utilisateurs, vous trouverez aussi un tableau qui vous permet d'effectuer ce recensement en interne à votre établissement, d'identifier toutes les fonctions métiers qui pourraient être associées à ce process de l'initiative Carte européenne étudiante, et ensuite de déterminer, on va dire un petit peu le qui fait quoi. Et le qui fait quoi, on va arriver sur la diapositive suivante, sur la diapositive numéro 3, où en fait on vous donne un outil, ou en tout cas on vous met à disposition un outil qui évidemment encore une fois est adaptable, mais qui peut permettre de réaliser un état des lieux, de faire l'auto-analyse de l'organisation dans son établissement. Est-ce qu'on a un provider, est-ce qu'on a un système interne, qui fait quoi, qui intervient, à quel moment, quelle étape et à quel moment du circuit. Donc voilà, ça c'est un travail qui peut être mené en interne et qui peut s'appuyer sur ces documents mis à votre disposition. Et enfin, sur la quatrième étape de cette feuille de route qu'on vous propose, on arrive dans vraiment l'opérationnel, où il va falloir à la fois déterminer un mode de pilotage, il va falloir déterminer et peut-être écrire collectivement un plan d'action, des fiches, action par action. Et on vous met là aussi à disposition un outil de suivi, un tableau de bord qui reprend chaque action pouvant être déclinée dans le cadre de ce process, qui les priorise et qui vous propose un certain nombre de renseignements à y porter, des procédures, les services impactés, le service pilote, des outils à utiliser, des documents à créer, des documents de référence, etc. etc. Et l'idée étant de vraiment vous mettre à disposition tous ces documents dans le kit utilisateur et ensuite de vous permettre de vous les approprier une fois que la structuration sera vue au niveau de l'établissement. Pour conclure, je voudrais simplement dire, et on va passer à la dernière diapositive, alors évidemment en remerciant toutes les personnes de ce groupe qui ont contribué à ces différents travaux et dont les noms apparaissent à l'écran, vous rappelez qu'il n'y a pas une seule vérité, que tous les documents qui vous sont proposés sont des outils à la structuration, qu'évidemment nous vous invitons à vous approprier et à les personnaliser. Merci pour votre attention, merci aux participants et je repasse la parole à Marie-Pierre. Merci beaucoup Eric, merci à vous deux pour cette intervention. Alors je précise qu'en parallèle des travaux sur les éléments de mobilisation interne présentés à l'instant par Eric et Charlène, une autre partie du groupe utilisateur a travaillé sur la mobilisation et la sensibilisation des conférences, des instances nationales de gouvernance de l'enseignement supérieur français. Alors c'était un travail souvent en coulisses, souvent un travail de l'ombre, mais qui a porté ses fruits et qui aujourd'hui va permettre de faciliter la mobilisation et l'action des établissements. Donc, nous allons à présent passer à l'étape suivante, qui est une étape extrêmement opérationnelle. C'est tout simplement le déploiement et l'utilisation des fonctionnalités offertes par le dispositif Erasmus+ Digital. Donc, nous allons commencer par les fonctionnalités Erasmus Without Paper. Et pour cela, nous accueillons Sophie Tellier de l'école LEPF, école d'ingénieurs. Merci Marie-Pierre, bonjour à tous. Donc moi je vais restituer le travail du groupe qui s'appelait EWP et qui avait pour objectif de vous aider à rentrer dans le vif du sujet et à passer aux choses concrètes concernant la digitalisation des mobilités. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer par un décryptage, parce que comme vous l'a dit Charlène, dans ce nouveau projet, nous avons de nombreux acronymes, de nombreux nouveaux mots de vocabulaire qui sont apparus. Il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, commençons par EWP, qui est l'acronyme d'Erasmus Without Paper. Qu'est-ce que ce mot étrange ? Erasmus Without Paper, c'est un réseau qui permet l'échange de données entre les différents établissements en Europe et dont le but est de permettre l'entière digitalisation de toutes les procédures de mobilité qui sont liées au programme Erasmus.
qu'il faut retenir, c'est que le raccordement à ce réseau est rendu obligatoire à compter de juin 2021. Donc, c'est maintenant. Suivant, s'il vous plaît. On continue dans le décryptage du vocabulaire et on s'est aperçu qu'il y avait parfois des confusions entre les différents acronymes et les différents mots utilisés, et notamment entre EWP et le dashboard. Qu'est-ce que sont ces deux choses? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, EWP, c'est un réseau. Le dashboard est un des outils qui vous permettra de vous raccorder au réseau, au même titre que tous les logiciels commerciaux ou les outils dédiés. Le dashboard EWP, comme vous l'a dit Charlène, vous retrouverez le descriptif de tous ces mots barbares dans le glossaire qui a été réalisé par le groupe Lobbying. Suivant. Comment vous raccorder à EWP? En fait, ça va dépendre principalement de l'outil que vous utilisez pour gérer vos mobilités actuellement. Donc, ça va être soit pas d'outils, Epoy Excel, soit un logiciel commercial type One Mobility Online ou autre, soit un logiciel maison. Donc, je détaillerai un petit peu plus dans la slide suivante, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la première étape dans tous les cas, c'est d'enregistrer votre code SHAC. Donc, encore un mot barbare que vous retrouverez dans le glossaire, schématiquement le code SHAC. C'est le domaine Internet que vous trouvez juste après l'arobase quand vous avez votre site Internet, par exemple. Voilà. Slide suivant. Donc, quels sont les outils pour vous raccorder? Donc, si vous n'avez pas du tout d'outils, vous gérez vos mobilités via Excel, par exemple, le dashboard est fait pour vous. C'est l'outil qui a été développé au niveau européen et qui permet pour le moment de gérer tout ce qui est Learning Agreement et accord institutionnel. Donc cet outil est très simple d'utilisation et vous y avez accès en créant un compte. Si vous avez un outil commercial, donc comme je vous l'ai dit, Mobility Online, MoveOn, etc., vous n'avez pratiquement rien à faire, c'est-à-dire que c'est votre fournisseur qui va se charger de toute la connexion au réseau et de toute le paramétrage, notamment des API. Enfin, si vous avez développé votre outil de gestion en interne, si votre DSI vous a construit un outil spécifique, dans ce cas-là, ça va être le rôle, encore une fois, de votre DSI de procéder au raccordement et elle se fera aider par tous les supports qui sont disponibles sur la plateforme EUF. Vous avez notamment les API qui sont accessibles et prêtes à l'emploi. Maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet et commençons par les Learning Agreements. Donc, je vous rappelle que toute ma présentation est juste un résumé. Hein, je n'ai pas pour prétention de faire une démonstration. Vous retrouverez tous les détails dans les supports qui sont sur le site qui vous a été annoncé par l'agence. Donc, les Learning Agreements, la procédure est très simple. Jusqu'à présent, tout se faisait via PDF, échange de mails, etc., signature à la main, scan, enfin, c'était un peu long et fastidieux. Maintenant, votre étudiant partant va générer son Learning Agreement via une plateforme OLA, où il se sera connecté par l'intermédiaire de l'application Erasmus+. Ou alors, il va se connecter via votre fournisseur, MoveOn, par exemple. Il va créer son Learning Agreement. Une fois qu'il est créé, vous recevez une notification vous disant tel étudiant vient de créer un Learning Agreement qui doit être validé. Vous validez le Learning Agreement. Le message est ensuite transmis à l'université d'accueil qui, de son côté, va devoir se connecter pour vérifier le document et le valider. Et dans un monde parfait, l'université valide le document et tout est bien, qui finit bien, l'étudiant peut enfin télécharger son PDF. Slide suivante, s'il vous plaît. Bien évidemment, ça ne se passera pas toujours comme ça parce que parfois votre étudiant va choisir des cours que vous n'allez pas approuver ou bien il va choisir des cours qui n'auront pas lieu ou qui ne seront pas offerts aux échanges dans l'université d'accueil. Et donc, à chaque étape, il est possible de refuser, modifier, proposer des changements dans le document. Donc, à chaque fois, on repart en quelque sorte à zéro et l'étudiant doit revalider, l'établissement
sortant valide aussi, enfin, etc., jusqu'à la validation finale où le document peut être téléchargé en PDF. Et donc, bien sûr, ce qu'il est important de savoir, c'est que les échanges de données se feront quel que soit l'outil utilisé. C'est-à-dire que c'est totalement transparent. Vous n'avez pas besoin de savoir si votre partenaire en face utilise tel ou tel outil, s'il utilise le même que vous, par exemple. Il y a une interopérabilité qui se fait et les données sont transmises justement via IWP sans que vous ayez à vous mêler de ce que votre partenaire ou l'étudiant aura utilisé comme outil pour créer le document. Enfin, un sujet important, c'est celui des renouvellements des accords institutionnels. Donc, cette brique est encore en cours de développement, notamment au niveau de certaines API. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la brique sera obligatoire, enfin, l'utilisation du renouvellement des accords institutionnels dématérialisés sera obligatoire à partir de l'année scolaire 2022-23. Vos accords sont en principe encore toujours valides et donc vous pouvez vous reposer dessus. Et actuellement, il y a encore un gros travail de développement et de mise à jour des API pour permettre l'interopérabilité des outils, MoveOn, Mobility Online, etc. Et qu'en principe, tout devrait être effectif d'ici début juillet. Il est donc important d'attendre que tous les outils soient prêts et vraiment opérationnels, notamment pour la partie échange de données fixe, qu'on peut appeler aussi fact sheet, qui n'est pas encore forcément développé chez certains providers. Donc, nous vous recommandons d'attendre que tous les outils soient vraiment opérationnels, que les échanges et les tests soient validés pour commencer vos échanges d'accords et renouvellement d'accords. Il est aussi important de rappeler c'est que cette procédure dématérialisée ne remplace évidemment pas toute la phase de mise d'accord et de négociation avec vos partenaires. Vous continuez à vous mettre d'accord avec vos partenaires par les voies classiques, type email, téléphone, etc. Vous mettez d'accord sur les données que vous souhaitez échanger. Et une fois que vous êtes d'accord, que vos outils sont opérationnels, vous pouvez enfin lancer le renouvellement de vos accords, qui devrait être grandement facilité par ces nouvelles procédures. Je souhaite remercier donc l'ensemble du groupe utilisateur qui a travaillé d'arrache-pied pour essayer de rendre tous ces concepts et toutes ces procédures le plus clair possible. Et nous espérons évidemment que nos livrables vous aideront à traverser cette épreuve. Merci, je repasse à Marie-Pierre. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation extrêmement claire. Merci aux contributeurs de ces trois guides pratiques qui sont vraiment au cœur de la digitalisation d'Erasmus+, et puis qui sont aussi en pleine actualité du calendrier de développement, comme tu l'as rappelé. Alors, je rappelle que tous les établissements auront bien évidemment accès à l'ensemble des ressources qui vous sont présentées. Le kit utilisateur sera mis en ligne à la fin de ce webinaire. Nous allons maintenant passer à la dernière intervention du groupe utilisateur qui concerne la fonctionnalité peut-être la plus visible, la carte étudiante européenne et plus précisément comment donner une dimension européenne à la carte étudiante de votre établissement. Donc, le travail du groupe utilisateur sur la carte étudiante européenne est présenté aujourd'hui par un trinôme qui est emmené par Karine Zaborowski de l'Université catholique de Lille, à qui je passe la parole. Merci beaucoup Marie-Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Nous y voilà pour la restitution de ce dernier groupe de travail, bien attendu. Merci aux collègues pour la présentation de l'ensemble de ces briques. Effectivement, il y a un travail sous-marin qui est très conséquent. Et le but maintenant, ça va être de pouvoir vous énoncer les différentes possibilités qui vont être amenées par cette carte européenne. Et donc, on va commencer dès maintenant pour vous présenter un petit peu cette démarche au niveau du groupe de travail et comment est-ce que ça a été initié. Je laisse la présentation se mettre en place. Donc, comment est-ce que ça s'est passé très concrètement? Donc, pour vous dire que ces personnes, ces contributeurs, c'est vraiment des gens comme vous qui sommes en train de nous écouter. Ce sont des gens qui ont participé vraiment à ce groupe de travail en partant de ces principes de base.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour se repérer au niveau de l'initiative européenne? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette carte européenne? Donc, nos principes de travail, ça a été s'approprier déjà et s'acculturer. Vous l'avez vu, il y a des mots, il y a des acronymes. On a appelé les acronymes barbares. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se repérer dans tout ça, dans tout ce paysage? Donc, première étape. Déjà, de quoi on parle? De quoi on parle et comment est-ce qu'on transmet ça au niveau des services et de nos étudiants? Ensuite, il y a un vrai principe de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne va pas agir de la même façon, que l'on n'a pas les mêmes ressources selon les établissements. On ne va pas travailler de la même façon à Lille, où on est, à Nancy, là où Stanislas Schäufer va ensuite intervenir, ou bien sur d'autres principes au niveau du groupe de travail. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on vous fournisse des clés, des réponses, des éléments de boîte à outils, de travail qui va être possible pour vous d'investir vraiment. Et ensuite, il va falloir être transverse. Il va falloir s'adapter aussi aux usages techniques. Qu'est-ce que ça veut dire, transversalité entre les services? Donc voilà, ce sont des gros mots pour dire que, en synthèse, il faut parler. Il faut parler de cette initiative, il faut parler de cette carte, il faut parler de l'ESSI, il faut vraiment parler de tout ce qui est en train de se passer, parce que 2021 jusqu'à 2027, ça va vraiment nous emmener tous ensemble vers ces principes européens et vers une démocratisation de l'accès, des usages, de l'ensemble des services au niveau des étudiants, et ça va concerner l'ensemble des services, pas national, mais l'ensemble du pédagogique. L'ensemble des services techniques également qui vont être mis à contribution. Mais oui, comment est-ce qu'on va faire un lecteur de cartes? Comment est-ce que les cartes vont être reconnues? Donc tout ça, ce sont différents services qui vont être mobilisés et donc il va falloir s'adapter à tout ça. Donc maintenant, on peut voir sur la prochaine slide la façon dont on a interagi sur ces réflexions de base pour constituer les livrables, donc les merveilleux livrables qui vont vous être présentés tout à l'heure. Je vous rassure, donc là on vous explique la démarche et ensuite on va vous montrer très concrètement les quelques semaines de réflexion, à quoi est-ce que ça a mené. Donc ça a mené à réaliser pour vous des outils de démocratisation pour expliquer ce que va être cette carte européenne étudiante. Donc cette carte européenne étudiante, c'est un outil transverse. Donc ça va impacter, comme je vous l'ai évoqué, l'ensemble de chaque structure. On n'est pas que sur du RI, de relations internationales, on est sur du pédagogique, on est sur de l'académique, on est sur de l'administratif. C'est-à-dire que la carte, on ne peut pas dire comme on dit d'habitude, c'est au RI. Non, 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 c'est l'affaire de tout le monde. Donc vraiment faire en sorte que cette carte soit appropriée par tous, c'est un enjeu qu'on a tous à avoir en commun jusque 2027. Donc cette carte, le but, c'est vraiment d'avoir un outil simple et adaptable. Le deuxième but à bien avoir en tête, c'est que cette carte, c'est un outil qui va être évolutif. C'est-à-dire qu'on part de 2021 à un outil de reconnaissance du statut de l'étudiant et ensuite, on va passer tous ensemble les étapes selon le même principe de proportionnalité. Chaque établissement va mettre en place ce qu'il veut, quand il le veut, donc les différents éléments qui va pouvoir ouvrir différents services de la vie étudiante. Donc, quand on dit d'un simple geste, il y aura quand même de la technique derrière. Donc ça, ce sera un travail à mettre en place de chaque établissement, mais à terme, donc en plus de la reconnaissance, très concrètement, notre étudiant pourra avoir accès, par exemple, à une réservation de sa chambre au niveau du CNUS, pourra avoir accès à une possibilité en termes de transport, de services de la vie étudiante. Donc, vous voyez, cette carte européenne, elle va porter beaucoup de choses. Petite carte, grands effets. Ensuite, donc bien avoir en tête sur ces réflexions et sur ces principes de base également que chaque établissement est différent. Donc tout ça, on est sur des actions de mobilisation différentes. Et ça, ça fait vraiment partie de choses qu'on a voulu mettre à votre disposition et qui va être disponible au niveau des livrables. Chaque établissement, selon ses ressources humaines, selon ses compétences, selon le temps qu'il pourra y investir, va pouvoir suivre ces différentes étapes de la carte étudiante. Et donc, effectivement, cette carte européenne, ça va être le point d'orgue. Ça va vraiment être, on va être trop content quand on va tous la voir, parce que c'est un vrai outil pour les étudiants. Et vous l'avez vu, c'est toutes les briques qui sont posées avant qui
permettent vraiment d'avoir cette carte. Donc, il faut bien avoir l'ESI, cette identification au niveau européen. Il faut vraiment poser ces différentes briques. Donc, toutes les présentations qui ont été remarquablement faites et synthétisées par mes collègues auparavant, ça va nous servir à la fin à avoir cette cerise sur le gâteau, à avoir cette carte européenne qui va être démultipliée au niveau des usagers et des étudiants. Donc, voilà où on se situe pour l'instant au niveau de ces réflexions de base. Et je vais passer la main à Stanislas Schäufer de l'École nationale d'art de Nancy afin de vous montrer concrètement de là où on est parti, c'est-à-dire en remerciant vraiment les collègues qui ont travaillé en sous-marin, en back-office de façon très conséquente. Donc je pense particulièrement à Chloé Duvivier et à Marie Didienne sur une arborescence. Vous proposer ensuite de merveilleux outils que vous allez pouvoir vous réapproprier maintenant. Et donc, je passe la main à Stanislas. Bonjour à tous. Alors, donc, la carte étudiante, notre groupe de travail, on s'est quand même rendu rapidement compte que c'était finalement quelque chose de très vivant et que du coup, poser un livrable un peu figé n'irait pas. Parce que vous avez entendu, les objectifs, c'est 2027. Donc, on a créé un document vivant. Sous forme d'un site d'aide à la décision. On a créé une carte mentale qui est assez grande. On pense avoir fait le tour, on n'en est pas sûr. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous ne trouvez pas votre cas de figure. Ça enrichira la communauté puisque c'est un document vivant. Donc, petite présentation de cette carte mentale. Là, ce sera en vidéo du coup. Donc, vous voyez là, c'est juste une petite partie. Ça peut être un peu indigeste à lire comme ça. Du coup, on en a fait document vivant un petit website qui va vous aider complètement à la décision. Vous commencez, vous avez une série de questions, vous y répondez oui, non. On a quand même bien décomposé le choix des réponses. Il n'y a pas peut-être. Si, je crois qu'il y a peut-être. Bref. Par exemple, ici, je n'ai pas de carte multiservice et je fais partie du groupe. Et du coup, j'ai les contacts à contacter. Bien entendu, je peux l'enregistrer en PDF si besoin pour avoir une trace. Ces outils en fait, sont dynamiques. Pour nous, ce sera vraiment assez court hein, sur les livrables. C'est dynamique, c'est un document vivant puisque cette carte va évoluer. Vous avez vu qu'on peut y mettre différents niveaux de service. Des hologrammes, des QR codes. Cette carte, elle est complètement vivante. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse enrichir ces livrables. Je vais passer la parole à Émilie Lecor du CNUS qui va vous parler justement des perspectives de cette carte. Bonjour à tous. Il est mieux que j'active le son si vous souhaitez m'entendre. Donc, en effet, j'espère que ce webinaire et surtout le kit utilisateur qui va vous être présenté ensuite, vous, et plus précisément sur la carte, va aider bon nombre d'entre vous à avoir les réponses aux questions qui se posent et à mettre en place la carte étudiante, peut-être en même temps que d'autres briques qui vous ont été présentées. Et après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la carte étudiante européenne? La carte étudiante européenne, pour qu'elle devienne un vrai pass vers les services de carte étudiante des établissements partout en Europe, il y a encore du chemin, puisqu'il faut qu'elle soit adoptée largement partout en Europe, ce qui n'est pas encore le cas. Ça l'est plus en France, mais pas partout en Europe. Donc, c'est un processus long, mais qui avance. Et donc, les travaux autour du projet continuent. Il y a une actualité, donc l'actualité, c'est cette fameuse application, la DEU Info, c'est Data European University. C'est une application standard qui est ajoutée dans la carte à puce pour les cartes physiques et qui permet la sécurisation des données. Et donc, cette application, maintenant, elle est disponible. La documentation technique est en place, est disponible sur le routeur de la carte européenne. Et ça vous est aussi expliqué dans la carte mentale qui est le petit website que vous a présenté Stanislas. L'autre actualité, c'est que sur la carte, il y a toujours eu en fait un identifiant européen unique de l'étudiant, qui est le European Student Identifier.
Mais à l'origine, pour la carte européenne, il n'avait pas le même format que celui qui est utilisé dans les fédérations d'identité. Donc, nous avons mis en adéquation cet identifiant. Et donc, maintenant, il est bien le même. Et ainsi, on pourra identifier l'étudiant de la même façon, vraiment, sur la carte, dans le routeur de la carte européenne et bien sûr dans tout l'écosystème et dans les réseaux Erasmus Europe Paper. L'avenir de la carte étudiante européenne, donc horizon 2022-2023, même au-delà, c'est des évolutions, ouais, c'est des choses qui vont être mises à jour, peut-être dans votre établissement et aussi au-delà. Il y a un dispositif qui va être mis en place donc, pour faciliter le développement de la carte dans les pays où elle est très peu adoptée. Également, une gestion facilitée du projet pour les groupements d'établissements et les consortiums, pour la carte étudiante européenne en tout cas. Il y aura une mise en place d'une solution pour faciliter l'accessibilité aux projets des établissements qui n'ont pas de système d'information très développé, ou même pas. Puisque pour l'instant, là, pour mettre en valeur les données de l'étudiant grâce à la carte, il faut développer une API, ce qui n'est pas toujours à la portée de tous les établissements. Et à l'avenir, il y aura aussi un développement autour d'une e-carte, hein, puisque certains établissements l'ont déjà fait. Ils ont une application mobile dans laquelle on voit la carte. Mais il s'agira là bien plus tard d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire une véritable émulation de carte à puce et il y aura des tests et des ouvertures de services via mobile et ce sera intéressant puisque maintenant tout devient digital. On a tous travaillé, tous les groupes utilisateurs ont travaillé à 100% à distance, donc on sait qu'on est dans une dimension digitale complètement. De la situation que vous connaissez tous. Voilà, donc je repasse la parole à Marie-Pierre. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que tous les livrables vont vous aider. Voilà, c'est pas Marie-Pierre, c'est Sébastien en fait. Mais merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Merci à l'ensemble des intervenants là, sur cette séquence. Et je vous propose de passer à la dernière séquence où on va justement vous présenter ce kit utilisateur. Établissement d'enseignement supérieur, vous souhaitez alléger la gestion de la mobilité étudiante ? Erasmus Plus Digital facilite vos procédures. C'est simple, des documents numérisés pour des échanges faciles en toute sécurité. C'est pratique, une coopération fluide et sécurisée entre les établissements pour une véritable dimension internationale. Au cœur d'Erasmus Plus Digital, un identifiant unique européen, l'ESI, European Student Identifier, une carte étudiante européenne, reconnue partout en Europe. Un réseau, Erasmus Without Paper, point d'entrée pour les établissements. Une application mobile, point d'accès pour les étudiants en mobilité. Pour vous aider à leur prise en main, Erasmus Plus a pensé un guide de démarrage. Des fiches pratiques pour vous accompagner pas à pas dans l'utilisation des fonctionnalités. Alors entrez dans la communauté! Et ensemble, construisons Erasmus Plus à l'ère du digital. Voilà, alors ce kit utilisateur qui a été conçu vient à l'instant d'être mis en ligne sur un site web dont on affichera évidemment l'adresse. Comprendre, mobiliser, démarrer, anticiper, ce sont les quatre étapes clés de ce kit que tu vas nous présenter maintenant, Marie-Pierre. Oui, l'ensemble des ressources sont maintenant rendues disponibles pour tous les établissements français. Un petit avertissement, si vous vous connectez tous sur le site en même temps, il peut y avoir quelques instabilités, mais qui seront évidemment régulées au cours de la journée sans aucun problème. Donc le kit utilisateur est mis en ligne d'ici quelques minutes maintenant. Voici à quoi il ressemble.
Donc, c'est le site que vous reconnaissez puisque c'est là que vous vous êtes inscrit pour suivre ce webinaire. Et vous voyez que l'onglet inscription est maintenant remplacé par l'onglet kit utilisateur. Vous arrivez sur la page qui vous présente l'ensemble du kit qui est effectivement structuré autour des quatre grandes étapes de déploiement de l'Erasmus Plus Digital, comprendre, mobiliser, démarrer, anticiper. Lorsque vous cliquez sur chacune de ces ressources, vous avez les éléments d'information, les éléments de contexte, les éléments d'actualité liés à cette rubrique. Et vous avez toutes les ressources liées qui vous ont été, dans la plupart, mais pas toutes, vous ont été présentées aujourd'hui. Vous cliquez, vous téléchargez, vous utilisez. Donc c'est extrêmement simple et d'accès direct pour vous. Ces ressources seront régulièrement complétées au fur et à mesure des mises à jour et du calendrier de déploiement des fonctionnalités d'Erasmus Plus Digital. Ce déploiement et ces fonctionnalités sont prévues quasi en continu jusqu'en 2025. Donc restez connectés et restez bien en veille des nouvelles informations et des nouveaux guides qui sont mis sur ce kit utilisateur. Voilà, c'est le moment de conclure ce webinaire. Un webinaire qui s'intitulait Erasmus Plus Digital en pratique dans votre établissement. Donc, nous avions l'ambition de vous guider pas à pas dans la prise en main des briques et des services qui composent cet Erasmus Plus Digital. Alors, j'espère qu'on a répondu à cet objectif et que surtout vous allez pouvoir dès à présent vous raccordez à Erasmus Without Paper, et puis à partir de début juillet, commencez à signer les premiers accords et basculer sur les contrats pédagogiques en ligne. Ce kit utilisateur, donc ça a été dit, et toutes les informations, les fiches pratiques qui ont été présentées, ainsi que d'autres ressources assez nombreuses, sont disponibles sur le site spécialement créé pour l'occasion, donc digital.erasmusplus.fr, qui s'affichera. Sur le site de Renater aussi, vous avez beaucoup d'informations concernant l'ESI, cette clé de voûte, ces fondations. Vous avez compris en tout cas que c'était un passage obligé pour pouvoir accéder à la dimension digitale d'Erasmus. Et puis, nous avons aussi une page dédiée sur le site internet de l'agence que vous pouvez facilement trouver par le menu ou en tapant le mot-clé digital dans la barre de recherche. Je signale d'ailleurs que nous sommes en cours d'actualisation de la FAQ qui sera remise en ligne puisque nous la mettons à jour avec les toutes dernières informations concernant l'initiative. Vous allez pouvoir revisionner ce webinaire qui a vraiment été conçu de façon très pédagogique, vous l'aurez compris. Vous allez peut-être aussi pouvoir le visionner avec vos collègues des systèmes d'information en particulier. On a bien vu que cette dimension transversale, cette capacité à se parler entre services de vos établissements est absolument essentiel pour la réussite et le déploiement d'Erasmus Digital. Il me reste à dire un très grand merci pour toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce webinaire et qui ont travaillé évidemment en amont de façon intensive pour produire les ressources qui vous ont été présentées. Erasmus Digital, ça commence maintenant. Donc, il me reste au nom de toute l'équipe de l'agence à vous remercier et à vous dire à très bientôt.